Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. 18h, parlons-en, votre émission du lundi au vendredi où nous avons très régulièrement des invités. Nous en avons un aujourd'hui, c'est un des partenaires adhérents de notre belle radio, Radio Topside, notre ami Simon Testa qui nous fait le plaisir d'être avec nous de Greenline Menton. Bonjour Simon. Bonjour. Avec votre spécialité, ta spécialité, on peut se tutoyer maintenant, oui. on est presque amis depuis quelques années. spécialiste de la mobilité urbaine électrique à Menton, c'est le nouveau claim, le nouveau slogan de ce magasin de véhicules électriques. Alors non pas que vélo. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie, puisque maintenant c'est la troisième saison, 2015 si je ne m'abuse, pour l'ouverture. Et l'idée, l'envie, puisque déjà commerçant à Menton, avec un établissement qu'on peut citer, qui est le Golden, qui fait principalement du billard et de l'activité nocturne sur notre région mentonnaise, pourquoi être passé d'un coup, d'un seul, à cette idée du vélo électrique, Simon ? Alors, j'ai découvert le vélo électrique en 2014, ouais, avec ma fille, sur des pistes cyclables et tout. J'ai loué un vélo électrique, j'ai trouvé ça fantastique, formidable. Et je voulais vraiment faire découvrir ce système dans notre commune, principalement. Hein. Donc, on peut faire du sport sans se fatiguer, c'est très physique et franchement... J'incite à énormément de gens à venir découvrir ce système de nouveau mode de déplacement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'essayer, c'est un peu l'adopter. Oui. Beaucoup de gens, sur les premiers clients que tu as dû avoir, sont peut-être passés simplement par curiosité. C'est toujours un peu compliqué, parce que quand on commence à regarder les prix, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même relativement cher. Ça se démocratise un petit peu plus aujourd'hui ? Là, il y en a pour tous les budgets. Franchement, ça démarre à 1000 euros jusqu'à... Bon, bien sûr. Mais déjà, à 1000, 1200 euros, on a des beaux produits maintenant. Voilà, en plus, je m'oriente vraiment vers des marques françaises. Voilà, très important, des marques françaises, avec évidemment dans ce magasin, non pas que de la vente, mais principalement tu es là aussi pour conseiller les gens, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de questions à ce sujet, sur la consommation, la puissance. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus sur Au début, les gens ils sont un peu perdus, il y a tellement de modèles différents et tout, donc je les oriente. Je les oriente de façon, c'est vraiment... comment dire, pour leur propre usage. Voilà, si c'est pour rester en ville, faire des promenades, tout ça, pas besoin de prendre des vélos à hors de prix. En plus, on facilite l'acquisition d'un vélo avec plusieurs modes de paiement. On est là, on a élargi vraiment notre gamme de facilité de paiement. Oui. Des gammes de vélos qui sont de plus en plus variées. Les gens nous posent souvent la question en disant « Mais moi, j'habite dans un petit peu au-dessus de Menton, dans l'arrière-pays. Est-ce que je vais être capable, avec mon âge avancé, de pouvoir facilement descendre ?» Oui, mais remonter. Alors, c'est un petit peu ça, peut-être, l'idée du vélo électrique. En fait, c'est l'accompagnement des personnes à mobilité réduite aussi ? Oui, bien sûr. Oui, il n'y a aucun souci. Vraiment, je les conseille bien et j'ai des personnes qui sont âgées de 70 à 80 ans, ils montent à Sainte-Agnès, mais tranquille. Voilà, donc en fait, il faut dire aux gens que ils ont besoin ou qu'ils sont curieux, qu'il faut venir tester. Et tester, c'est l'approuver. On va reparler des bienfaits du vélo à assistance électrique tout au long de cette émission. On va faire une petite pause musicale, mon cher Simon, et on se retrouve d'ici quelques minutes avec le prochain quart d'heure, Yoriel Foreman, Amy Stewart et James Morrison sur Radio Topside. On est ensemble avec Simon, le patron de Greenline Menton, magasin officiel du VAE, du vélo à assistance électrique sur Menton. Mais il n'y a pas que ça dans ce magnifique magasin, on en parlera tout à l'heure. En attendant, c'est le retour de la musique. Vous ne bougez pas, on est ensemble jusqu'à 19h. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur.
Retour de notre invité. On parle vélo électrique ce soir avec notre ami Vincent Testa qui nous fait le plaisir d'être là. Greenline Menton, c'est la référence en termes de magasins, de mobilité urbaine. Alors, Simon, on a parlé tout à l'heure de pas mal de choses au niveau du vélo. On va parler finance parce que les gens se disent que, comme on a dit tout à l'heure, que le vélo électrique coûte cher, mais avec le vélo électrique, on fait des économies. Exact, on fait des économies. Déjà, c'est très bon pour la santé, ouais. Ça a été prouvé. Et on fait des économies parce qu'on n'a plus de parcomètre, plus d'essence, plus d'un, y a même pas d'entretien sur un vélo électrique, à part le consommable. C'est franchement... Alors, un minimum d'autonomie pour les vélos en moyenne, c'est quoi, 40 km ? Oui, 40-60, le minimum. Minimum. Voilà, 40-60, ça veut dire qu'en plus de ça, on bénéficie avec ce vélo, finalement, tous les avantages d'un scooter sans les inconvénients. Oui, tous les avantages. Et on va aussi vite qu'un petit scooter. On va entre 25 et 27 km/h sans forcer. Voilà. Sans forcer. Ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire sans forcer, que ça soit sur le plat ou dans les montées. Ou dans les montées. Voilà, on a bien compris qu'en fait, le coup de pédale est démultiplié par l'assistance électrique du moteur. Voilà, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Dès qu'on commence à donner le premier coup de pédale, le moteur s'enclenche et il vous aide. Et on est parti. Voilà. Alors, évidemment, plus de frais d'essence. Non. Plus de frais d'assurance, on en parlait hors antenne. Oui. Pour l'instant, pas besoin d'assurer le véhicule, sauf contre le vol sur votre sur vos biens personnels, hein, comme une montre qu'on pourrait vous voler, avec simplement la facture à déposer auprès de votre assureur. Si vous voulez utiliser ce véhicule de bonne utilité, vous pourrez vous promener pour aller au travail sans avoir trop d'embouteillages finalement. Oui, c'est ça. Et en plus, maintenant, vu la technologie comme elle a avancé, le temps de charge d'un vélo, c'est entre 1 heure et 3 heures. D'accord. Pour une charge rapide, pour une charge lente. Ouais, pour avoir, je crois, c'est quoi, 70% à peu près de la charge de la batterie en 1 heure. Oui, à peu près. On peut le charger sur le vélo ou on enlève la batterie, on retire la batterie et on l'amène à la maison tout simplement. Le chargeur, c'est comme un petit chargeur de téléphone. C'est vraiment. Alors la batterie fait partie des éléments qui coûtent relativement cher sur le vélo et beaucoup de gens nous posent la question, notamment un auditeur sur le chat qui nous dit combien de temps va durer la batterie et comment ça se passe au niveau des garanties. Alors, toutes les batteries, les moteurs, tout ça, les parties électriques, c'est garanti 2 ans. Les vélos sont garantis 5 ans en général. Et la durée de vie de batteries comme Samsung, Bosch, c'est entre 5 et 6 ans. Voilà. D'accord. Au bout de 3 ans, 3 ans et demi, elle peut perdre entre 10 et 20% d'autonomie. Et après, elle se stabilise. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des accès locatifs sur de la batterie ou tout est intégré sur le format que tu proposes en termes de financement sur le vélo en lui-même ? Au niveau de l'acquisition du vélo L'acquisition du vélo ou simplement des batteries, comment ça se passe? Parce que je sais que, par exemple, Renault, pendant un moment sur la Zoé, avait fait la proposition, et je crois que c'est toujours d'actualité, de proposer l'achat de la voiture et après la location des batteries pour éviter d'en avoir le remplacement. Non, là, c'est tout compris. Quand on achète le vélo ou quand on fait un mode de leasing, n'importe quoi, tout est compris dedans, la batterie. On a des assurances supplémentaires. D'accord. 3 ans supplémentaires, ça veut dire que la batterie, elle peut être garantie 5 ans, comme le vélo. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne veut pas prendre de risque, on prend cette extension de garantie sur la batterie. En cas de perte de charge ou de petits problèmes techniques, elle est remplacée. Elle est remplacée pendant la durée de 5 ans. D'accord. Des marques françaises, tu le disais, que tu privilégies en avant, tu peux les citer. Bon, Peugeot, je sais que... Peugeot, bien sûr, Gitane, Audefil, la marque Audefil, Neomove, Matra... Ça, c'est des très, très, très bons produits. Et bons produits avec, en plus de ça, large gamme. Gamme large avec beaucoup d'équipements. Hein, parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs que le vélo électrique peut être équipé avec des sacoches, des top case pour transporter des choses. C'est vraiment comme le scooter ou la petite moto de mobilité urbaine, hein, c'est ça ? Oui, on peut mettre des paniers à l'avant, des paniers à l'arrière, des sacoches, des rétroviseurs. Il y a vraiment une large gamme d'accessoires. Hein.
D'accord, des accessoires à la demande, des couleurs aussi à la demande. Oui, alors la tendance actuelle, c'est vraiment les mats et les couleurs un peu satin, bleu nuit satin, les blancs mats, les gris aluminium mat, très très joli, très joli. De belles couleurs, de beaux vélos que vous pourrez vous procurer chez Simon dans le magasin qui est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 19h. Donc, et puis de temps en temps, le lundi, comme c'était le cas aujourd'hui, vous passez devant le magasin et Simon, même si le magasin officiellement n'est pas ouvert, il vous accueille, il vous conseille. On reste ensemble, Simon, jusqu'à 19h pour parler de ce magnifique outil qui est le vélo le vélo assistance électrique. On parlera aussi d'autres objets qui sont tout aussi intéressants, eux aussi électriques. On revient dans un instant, prochain quart d'heure musical pour faire une pause et se détendre avec les Barcase, le son funk au rendez-vous, la soul music avec Marlena Shaw et puis souvenir, tiens, Africa 1982, c'était Rose Lawrence. Topside, la radio. Bienvenue sur Radio Topside. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h, sur Radio Topside. Et votre émission Parlons-en, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi entre 18h et 19h où nous avons eh bien aujourd'hui le plaisir d'avoir notre ami Simon Testa de Greenline Menton. Alors Greenline, une marque verte pour le vélo électrique, un produit écologique, hein, mon cher Simon. Oui, bien sûr, entièrement écologique. Entièrement écologique. Et il y avait une période où on avait des primes. L'État donnait des primes pour les vélos électriques. Est-ce que c'est toujours d'actualité quand on en achète un ou pour l'instant c'est fini ? Non, c'est la dernière, c'était fin février. Ça veut dire qu'en fait, les vendeurs de vélos électriques ont gagné trop d'argent et on a décidé de leur retirer la subvention. Je pense que c'est ça. D'accord. Oui. Le vélo électrique, mais qui se passe, ça se passe chez Greenline, mais non pas que le vélo électrique, mais aussi beaucoup d'autres petits artifices électriques, des trottinettes notamment, des gyropodes. Alors, tu peux nous expliquer un peu tous les produits que tu as en plus et qui font succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc, bien sûr que tout le monde connaît l'overboard, cette planche qui avance tout seul. Et il y a des skates électriques maintenant qui vont jusqu'à 30 km/h avec 25-30 km d'autonomie. On a des trottinettes, ça part à 8-9 kg. Ils ont très très allégé les trottinettes maintenant. Ces trottinettes, elles ont entre 25-30 km d'autonomie. Elles vont jusqu'à 25 km/h. Et après, on a une autre gamme de trottinettes. Là, c'est limite du scooter qui vont à 50-60 km/h. Homologué pour rouler ? Homologué. D'accord. Et qui ont 50 km à peu près d'autonomie. Ah ouais, ça commence à être bien ça. Avec un poids de 16 kg qui se plie aussi. En termes de coût pour ce type de véhicule ? Alors, les trottinettes, ça part de. Pour avoir un bon produit, il faut compter dans les 450-470 €. Et celles qui vont à 50 km/h, il faut compter 1 200 € à peu près. D'accord, ouais, ça commence à être un budget, mais pour quelqu'un qui a envie d'avoir un outil de déplacement un petit peu original. Et ça prend de plus en plus, les gens qui prennent le train pour aller travailler, ils prennent leur trottinette, ils la plient, ils la mettent dans un sac, et arrivé à destination, et bien, ils la déplient, et puis en avant. Alors Anaïs sur le chat nous dit c'est bien ces véhicules électriques mais ils roulent de plus en plus vite sur les trottoirs et respectent pas spécialement les usagers du trottoir. Vous avez pas peur que c'est le problème. Que c'est l'État le problème. Commence à s'en mêler et qu'il n'y ait pas des réglementations un petit peu plus sérieuses Et depuis 2 mois, l'État commence à s'en mêler. Et maintenant, toute personne qui a une monoroue, les monowheel, c'est la roue centrale où les gens ils montent dessus. Oui. Il faut les assurer obligatoirement. Et l'assurance, c'est entre 9 et 12 euros par mois. Ça, cette loi, elle est passée, ça y est. D'accord. Mais alors, curieux que simplement pour ce monoroue, on soit obligé de prendre une assurance et une garantie et pas forcément sur les autres véhicules. Parce que tous les autres véhicules, ils ont. Au contrôleur, ils ont 2 puissances ou 3 puissances. La première puissance, c'est bridé à 5 km/h. D'accord. C'est pour les trottoirs. Le problème, les gens, ils ne respectent pas ça. Ils mettent en puissance 2 ou 3 et c'est 25-30 km/h. Sinon, il y a le mode piéton, c'est bridé à 5 km/h.
Ouais, quoi sur les trottoirs, c'est ce mode-là qu'il faut mettre. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on le rappelle, hein, même les pistes cyclables, véhicules électriques ou non électriques, sont limitées. Certaines villes, comme la ville de Nice, l'été dernier, avaient mis des panneaux de réglementation pour limiter à 10 km/h la vitesse. Bon, ça, c'est un petit peu excessif, je pense. Et je pense que pour ça, tu es un peu d'accord avec moi. Ah oui, oui, oui. Voilà, parce qu'après, pour le coup, on a déjà plus de liberté sur la route et se conditionne de plus en plus. On nous conditionne à rouler moins vite et pas forcément d'être plus prudent. Voilà, il faut juste que les gens prennent conscience des autres, fassent attention. Et là, de plus en plus, maintenant, ils commencent à mettre des radars sur les pistes cyclables. D'accord, ça c'est nouveau, ça je connaissais pas ça. Radars sur les pistes cyclables, étonnant. Bon, on revient à l'actualité de Green Line. Green Line, comme on l'a dit tout à l'heure, est ouvert tous les jours de la semaine quasiment, à part le lundi où tu te reposes. Oui. C'est aussi ouvert le samedi. Alors, la location aussi, ça fonctionne chez Green Line si vous souhaitez profiter de vos vacances, de votre week-end. Ça se passe comment la location et ça coûte combien, Simon ? Alors, une location pour une journée en vélo électrique, c'est 32 € la journée. La personne, elle vient, il y a juste un petit formulaire à remplir et voilà. C'est des vélos qui ont à peu près 50 km d'autonomie. Très, très, très bien. Bon, ils sont prêts et partis pour la journée. Prêts à partir avec le panier devant. Voilà, location à la journée, au week-end. Oui, la journée, le week-end, la semaine. D'accord. Un coup, par exemple, pour des gens qui seraient en train de nous écouter dans le milieu de la France ou sur Paris et qui viendraient pour 3-4 jours, une petite semaine, parce que c'est pareil, ils viennent peut-être pas tout seuls en couple. Par vélo, comment ça se passe ? Par vélo, une semaine, il faut compter dans 130-160 €. Ça dépend de l'équipement, parce qu'on peut rajouter en plus de l'équipement. Il y a des personnes qui louent le vélo, qui veulent deux paniers ou une remorque pour... Pour leurs enfants, pour des animaux, on a tout. Voilà, bientôt des petits trains électriques pour transporter plusieurs personnes et la famille nombreuse, peut-être. Allez, on va construire devant ça. Devant chez Green Line. Vous verrez un train un jour devant le magasin. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, de venir sur notre belle région et notre ville de Menton et que vous venez de loin, même en train, eh bien, vous faites 400-500 mètres à pied. Vous êtes en plein cœur du centre-ville, au 22 avenue Carnot à Menton. Et vous êtes chez Simon, chez Green Line, on ne peut pas le louper. Non. Non, le magasin il fait 2 étages et on ne peut pas le louper. Non. Merci Simon pour nous avoir expliqué un petit peu les secrets du vélo électrique et puis surtout ce que tu proposes aux gens à la vente, à la location. On va se retrouver, puisqu'on se retrouve chaque année sur un nouvel événement qui a eu lieu l'année dernière et qui sera présent cette année, le e-bike, le salon e-bike, c'est le salon du vélo électrique, qui normalement, on n'a pas la date encore, mais devrait sortir, organisé par la Jeune Chambre économique de Menton et Roquebrune-Cap-Martin, où on sollicite évidemment la présidente Amélie Castellana de bouger un petit peu tout le monde et la Jeune Chambre pour que on puisse encore profiter pleinement de... tous ces vélos électriques qui seront là, que vous pourrez essayer de découvrir sous le soleil mentonnais, ça sera plutôt sympa. Oui. Et je sais que tu y es présent et actif. Avec beaucoup de nouveautés. Avec beaucoup de nouveautés à découvrir. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Cette interview, si vous en avez manqué le début, rassurez-vous, vous n'en manquerez pas. Peut-être pas le reste ni la fin. Elle sera en replay dès demain sur le site de Radio Topside, en audio et en vidéo. Merci à notre caméraman Patrick Varotto qui nous fait toujours le plaisir de faire ces captations vidéo que vous retrouvez sur photomenton.com, photovarotto.com, je vais y arriver quand même. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils, eh bien, rendez-vous directement chez Green Line. Un numéro de téléphone pour contacter Simon directement, le 04 93 78 98 97. Et c'est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30, de 14h à 19h. Et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, ce qui est toujours bien pour profiter du week-end. Merci Simon, à très bientôt sur Radio Topside. À bientôt, avec plaisir.
Le retour de la musique avec Anastasia, souvenir de ces belles années que l'on partage ensemble de la musique. Et on viendra pour faire un petit point sur votre météo de demain d'ici quelques minutes. On est ensemble jusqu'à 19h, vous ne bougez pas, on revient d'ici quelques minutes. À tout de suite. Jérôme, du lundi au vendredi, 18h-19h sur...